Un couple toujours aussi soudé. Plutôt discret en général, François Hollande et Julie Gayet, radieux, se sont offert une rare sortie à deux la semaine dernière. Invité d'honneur d'un festival de cinéma, le couple n'a pas hésité à poser ensemble devant les photographes et sembler radieux. Une nouvelle preuve de leur bonheur sans nuages. Leur histoire, longtemps restée discrète, l'est de moins en moins, alors qu'ils viennent de fêter leur premier anniversaire de mariage, François Hollande et Julie Gayet assument enfin leur bonheur devant les photographes. La semaine dernière, notamment, CIST Radio qu'ils sont arrivés à Rochefort pour une belle soirée du Festival des Sœurs Jumelles, qui mêle cinéma et musique. Vêtue d'une veste tailleur bleu ciel et d'un jean, l'actrice et réalisatrice semblait plus détendue que jamais et avait même accepté d'accrocher quelques fleurs à sa boutonnière. L'ancien président, quant à lui, était resté plus classique avec son costume, mais n'a pas manqué de poser fièrement aux côtés de celle qu'il a épousée en juin 2022. Le couple a également pu rencontrer le maire de Rochefort et son épouse, ainsi que le public. Une belle soirée, donc, qui prouve à nouveau que la culture est vraiment le ciment de ce couple, qui s'était rencontré, pour rappel, autour d'une pièce de théâtre organisée par le regretté Jean-Pierre Mocky. Ils avaient également été mis en contact par Thomas Hollande, le fils de l'ancien président, qui avait contacté l'actrice pour qu'elle soutienne son père, à l'époque en pleine campagne. De moins en moins discret, une rencontre qui a changé leur vie, puisque tous les deux sont finalement tombés amoureux et se sont mis en couple, discrètement, après la révélation de leur idylle par le magazine Closer. Une discrétion qui s'efface au fur et à mesure du temps. En juin dernier, l'actrice avait même accepté de parler de leur mariage, qui s'est déroulé en Corrèze devant très peu d'invités. On est plus obligé de se marier de nos jours et on peut donc le faire librement. Le mariage n'est pas une prison, si est-il un choix. Surtout quand on a passé un certain âge et qu'on sait où l'on va. On peut rester soi-même en vivant avec quelqu'un, même en étant marié. On s'enrichit l'un de l'autre, on s'engage mais cela ne veut pas dire qu'on s'appartient, avait-elle expliqué, ajoutant, mariage plus vieux, mariage heureux me semble tout à fait approprié dans mon cas. Il faut dire qu'à 68 et 51 ans, le couple a également construit une belle famille recomposée. L'ex-président est en effet le heureux papa de 4 enfants, Thomas, 38 ans, Clémence, 36 ans, Julien, 35 ans et Flora, 31 ans, née de sa liaison passée avec Ségolène Royal. Julie Gayet, quant à elle, a deux fils, Tadeo et Ezekiel, dont le père est le réalisateur Santiago Amigo Reynard.